samedi soir sur la plus culturelle des télévisions. Merci pour votre hospitalité légendaire à ce programme et bien évidemment à personne. C'est le point de l'actualité culturelle de façon hebdomadaire. Le récap qui s'invite à nouveau chez vous. Bonsoir et voici le menu de cette édition. On va parler au niveau des sorties répertoriées de bon nombre de propositions musicales, notamment le nouveau hangar de Mr. Vano Baby Azetogbede intitulé Enfant de Dieu. On va également revenir sur cette proposition sonore présentée par Rabis Loyat là quelques jours en arrière intitulée Cocoricoco. D'autres propositions, notamment la douce Fifame avec son titre Mayava. Nous avons également cette proposition de Diblo Ifani qui ne nous a pas échappé. Au niveau des radars pour le compte de cette semaine, la nouvelle proposition également de Jimino, On entre dans Bruit. Nous, on vient de sortir de Bruit, également disponible et des collaborations au menu, notamment celle entre Centrinos Raphaël et Mr. Fanko de Jésus Femmes Africaines. Au niveau de la section à venir, deux propositions également, Serge Diesel et ce titre-là qui a été proposé sur les réseaux sociaux mais qui va venir dans les tout prochains jours avec à la baguette celui qu'on appelle Credo et ce serait, pour l'instant on n'a pas de plus ample détail, une proposition musical de Tiganga. Au niveau des autres informations, on va parler de la célébration des 20 ans de carrière de Nasty Nesta. C'était le 9 septembre dernier du côté du Moonlight. On va également parler d'un festival à venir intitulé le Dunamis. Pour le compte du crush de GPP, on va garder le suspense. Vous allez découvrir cela tout à l'heure. Merci à toutes et à tous de rester campés, scotchés sur vos positions. Le récap, c'est tout de suite maintenant, après. Et comme il est de coutume par ici, on va démarrer par la rubrique des sorties répertoriées. Et comme on est lundi, on est en début de semaine, une semaine qu'on espère qui a bien démarré pour vous. Une semaine qui, sur Cotonou et sur une bonne partie du Bénin, a démarré par la pluie, par la fraîcheur. Raison pour laquelle on rime également avec la fraîcheur dans ces studios de Culture Télévision. On va démarrer avec ce titre, je l'évoquais, qui est à retrouver sur le projet Afrochenk, l'EP, bien évidemment, qui est à mettre à l'actif de Rabislo et est intitulé Cocoricoco, qu'on va découvrir tout de suite et maintenant en extrait. Ayo kolero, Cocoricoco. Où sont collègues, pas cocoricoco. On a eu colère en cocoricoco. Où sont collègues, pas cocoricoco. J'en parlais au niveau du sommaire, c'est le nouveau banger qui est à mettre à l'actif du sorcier vivant Vano Baby Azetogbede et est intitulé Enfant de Dieu. Où sont les enfants de Dieu? Ensemble, allons suivre cet extrait. Njai no vano falling out of family man. Kundi mo fide boy no komi. Beto le don ye kun vano de o. Amo manja que j'étais maudit, que j'étais maudit. Vie malé don. Peu comme plusieurs autres artistes qui ont magnifié leur contrée ou leur région d'origine ou de provenance. Diblo s'est également donné cet exercice. Il s'est également proposé pour magnifier la cité d'où il provient. Et donc, ça nous donne en proposition musicale Ifanyi qu'on va découvrir tout de suite maintenant en extrait. Un peu de douceur, un peu de féminité dans cette section des sorties répertoriées. On va trouver la douce Fifame qui nous propose le titre Mayava. Bana, Mayava, Mava et Poestreada, on revient après. Allez, fini la vague des sorties solo, on va retrouver les collaborations. Maintenant, la toute première est une collaboration entre Format et JFK. Le titre, c'est Mora, qu'on vous invite à découvrir tout de suite. Et maintenant, en extrait, bien évidemment. Skinny, skinny, non do skinny. Non do skinny, skinny, non do skinny.
Non do skinny, skinny, non do skinny. Mona put you, put you, mona put you. Mona put you, put you, mona put you. Mona put you, put you. Clore le chapitre des sorties répertoriées par une autre collaboration, une nouvelle proposition musicale qui est un mixage entre le Togo et le Bénin, entre Centrinos Raphaël qui a jeté cette fois-ci son dévolu sur Mr. Farniko de Jésus Protégé Bleu Diamond. Le titre, c'est également une ode à l'endroit des femmes africaines. Tout de suite et maintenant, un extrait. Ce sera donc tout pour cette section. On passe maintenant à la prochaine, qui est la rubrique des sorties à venir. Et dans cette loge, on va démarrer par de la rumba, on va démarrer par l'écriviste de la rumba béninoise, Serge Diesel, le concert de la rumba béninoise qui a été en studio et qui est en train de concocter une nouvelle sonorité qui est à venir dans les tout prochains jours. Le suspense est toujours intact en ce qui concerne la date de sortie de cette proposition musicale après son album intitulé Prototype, dont on ne manque pas de se délecter. Il est également en train de proposer une nouvelle sonorité, de la bonne rumba. On a su avoir un extrait sur ses réseaux sociaux quand il publiait cette vidéo. C'est intitulé Souviens-toi, qui est à venir dans les tout prochains jours. On va vous proposer un extrait en attendant d'avoir de plus amples informations sur la date de sortie de cette proposition musicale. Je m'incline sur la mémoire de mes ancêtres. Une sérénelle ne fait pas le printemps. Mais reprends nos maisons et rompons. Mais les mots semblent environ. Cette autre proposition musicale qui est à venir dans les tout prochains jours, on l'a eu également grâce aux comptes sociaux de plusieurs personnes qui ont partagé cette vidéo. Sur cette vidéo, vous allez voir Richa Flash, Alain Soussoupévi et bien évidemment Vano Baby. D'après nos informations sur ce son, il y aurait à la baguette un certain Credo et bien évidemment T-Gang. Pour l'instant, on n'a pas de plus amples informations sur cette sortie musicale, encore moins sur la date de sortie. Mais ensemble, checkons un peu ce que ça renferme. C'est une bonne vibe, une bonne ambiance qu'on va très certainement kiffer par ici. Ici, avant de retrouver les autres informations, une pause s'impose. Faisons un tour du côté du service commercial. Retrouvez notre partenaire de choix, les livres de la collection La Réédition. Dans le but de permettre aux apprenants de s'exercer régulièrement en physique, chimie et technologie, voici l'ouvrage qu'il vous faut. Les livres d'exercices réussis en PCT de la collection citoyenne qui rassemble des centaines d'exercices qui permettront aux élèves de réussir les épreuves de physique, chimie et technologie lors des compositions, devoirs et examens quel que soit le niveau. Ces livres sont élaborés par des enseignants pétris d'expérience et disponibles pour toutes les classes. Rendez-vous au siège de la réédition 6 dans le premier feu à gauche après le stade général Mathieu Kérico en quittant Védocor, dans les boutiques de la réédition, dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels pour avoir les livres d'exercices réussis en PCT. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 96 38 69 07 ou le plus 229 97 89 82 42. Avec la réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Les autres informations qu'on démarre, bien évidemment, par la célébration des 20 ans de carrière
de Cotonou Boy, Mr. Nasty Nesta, Daniel Malangé, à l'état civil qui, dans un endroit archi-comble, dans un moonlight overfull, totalement plein, il a célébré 20 ans de carrière avec en présentiel ses frères du Cotonou City Crew, bon nombre d'artistes béninois et surtout la présence de sa maman, Maître Marie-Élise Bédou, qui était aux côtés de son garçon pour 20 ans de célébration. 20 ans au cours desquels il a offert bon nombre de titres au Bénin, notamment Cotonou Boy, Répondeur, M'appellera, en collaboration avec Diamant Noir, Lucide et que sais-je encore tout dernièrement, Zangwetor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un monsieur qui est pétri de talent, une fois encore, qu'on célèbre à travers cette rubrique des autres informations. 20 ans de carrière, c'était le 9 septembre du côté du Moonlight, jour également où il soufflait une bougie de plus. Une fois encore, tout le meilleur. On espère être là encore pour les 20 prochaines années, associées à celles qui viennent de passer, pour que cela fasse 40 ans de carrière. On espère qu'on sera présent si Dieu nous accorde la grâce et le souffle de vie. Celui qui est à venir à Cotonou, très exactement le 7 octobre, si Dieu continue bien évidemment à nous accorder le souffle de vie, c'est Steve Crown à travers le festival Dunamis qui est à venir le 7 octobre. Donc notez cela dans vos agendas et également pour nos amis sponsors et partenaires ou annonceurs et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à vous positionner sur cet événement. C'est la puissance divine qui va se manifester à travers Steve Crown au Bénin. Concert et événement donc. N'hésitez pas, positionnez-vous au maximum. Un coup d'arrêt, ce sera bien évidemment avec Nicanor qui va visiter la localité de Dobo pour un spectacle de taille. La capture d'écran est là, elle renseigne à propos. Merci de noter la date, ça va être le feu dans la commune de Dobo. Et en parlant de Nicanor, on va retrouver le crush de GPP dans quelques instants. C'est mon coup de cœur sur son album, c'est mon coup de cœur depuis un bon moment. C'est son titre, L'enfant du pays, le fils du pays. Nicanor, qui franchement sur cet album n'a pas fait dans de la dentelle. Et ce titre, franchement, est mon coup de cœur parce que plusieurs Béninois vont se retrouver à travers ce single. Tous ceux-là qui se battent chaque jour pour inscrire dans les annales de l'histoire du pays leur nom. Eh bien, c'est une grosse dédicace pour eux. Nous sommes fiers d'appartenir au vert, jaune, rouge. Nous sommes fiers d'appartenir au 229 au Bénin. Et tout simplement, nous sommes tous des fils du pays, des filles du pays, des enfants du pays. Ensemble, on va découvrir cet extrait. J'ai dû changer de vie, faire beaucoup de sacrifices. J'ai fait des choix difficiles, parfois j'ai douté. Mais on m'a dit oui, tu peux si tu veux. Voilà ce que me disait Berger, alors j'ai tout donné. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cette émission, sur ce numéro comptant pour le 12 septembre 2022, le récap bien évidemment. Et on ne va pas partir sans souhaiter joyeux anniversaire à des êtres qui nous ont chers, qui nous sont chers bien évidemment. On va démarrer par les Twins à Ounou, Karel et Karine qui soufflent une bougie de plus. Et ils sont accompagnés également du jeune Donna Gomez qui souffle également une bougie de plus. Joyeux anniversaire à vous, pluie de bénédictions, que les bénédictions divines surabondent dans vos vies. On va également souhaiter joyeux anniversaire à notre cher ami et frère qui est de l'autre côté de Digital Black Music DBM. On l'appelle Judas Sion Lagbenou, chroniqueur sur MyAdictive également, journaliste culturel et que sais-je encore, il souffle une bougie de plus. Il est l'exemple exceptionnel du BIM. Quand on regarde dans le rétroviseur, on regarde ce qu'il était et ce qu'il est devenu aujourd'hui. On ne peut que être content pour lui. Une fois encore, joyeux anniversaire et joyeux anniversaire en avance au père Evra Gandonou, alias Evra Dino. Ça va être dans quelques jours, mais ici on profite pour te souhaiter joyeux anniversaire en avance. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Écoutez, il y a une charmante équipe qui m'accompagne au niveau de la prise d'image, du son, de la réalisation. Je les emmerde, ils me supportent, ils sont adorables. C'est vrai qu'ils déconnent par moments. Et surtout, il y a un facteur exceptionnel chez eux.
Je vous dirai ça la prochaine fois pour qu'on ne coupe pas la partie de l'émission. Merci de prendre soin de vous. Ces temps-ci, il fait un peu frais sur le pays. Sortez surtout couvert et bien couvert. Couvrez les plus petits. La rentrée est à venir. Bonne rentrée par anticipation à tous ceux-là qui vont commencer la rentrée dans quelques jours. Et bonne préparation aux parents et enseignants. Quant à moi, je serai ici par la grâce de Dieu lundi prochain avec le même plaisir pour vous retrouver. Prenez soin de vous. Love you so much. Ciao, bye. Ils vont pas laisser dans le cuit. Qui. On est dans bruit. Faut revenir le mardi. Di. On est dans bruit. Ils vont pas laisser dans le cuit.